Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tuto Synth. Aujourd'hui, je vais répondre à un internaute qui me demandait comment faire pour utiliser la pression du Roli pour activer le filtre et donc rendre plus brillant un violon, une trompette, des chœurs. Donc on va voir ça ensemble sur Cubase. Donc on va déjà revérifier ensemble le paramétrage du Roli. On va aller donc dans le Roli dashboard, pardon. Donc je vais reprendre la configuration que je vous avais présentée dans la précédente vidéo, à savoir donc configurer essentiellement, on va dire, hein, le slide control change à 1. De ce fait, en fait, ça va être sensible à la modulation. Donc ça, c'est le réglage de base. Ici, je vais changer ce réglage pour vous montrer que finalement ça n'a plus aucun effet. Donc voilà, tous les autres réglages sont identiques à la précédente vidéo, hormis ici le slide CC, donc je le change puisque on ne va plus s'en servir. On passe sur Cubase. Sur Cubase, en fait, j'ai chargé un VSTi, donc qui est East-West Play, avec comme banque de son les Hollywood Choir. Donc j'aurais très bien pu prendre les Hollywood Brass, les Strings, les Cellos, etc. Voilà, j'ai voulu changer. Donc voilà, on va configurer ensemble donc, notre bibliothèque. Donc déjà, vous allez choisir une banque de son. Donc ici, j'ai choisi Women Choirs et Women AA. Ici, vous pouvez très bien reprendre le même patch que dans la précédente vidéo, c'est-à-dire brass, French horns, lang et legato. Enfin voilà, il y a 4 French horns qui vont jouer legato. Donc on aurait très bien pu prendre le même patch. Vous pouvez le faire d'ailleurs si vous n'avez pas Hollywood Choir, ça marchera très bien. Ici, quand vous chargez la première fois, en fait, vous êtes sur Omni ou sur 1. Vous allez mettre, comme dans la précédente vidéo, sur MPE, qui est le protocole de communication qui permet de rendre indépendante chaque note jouée sur le Roli, depuis le Roli. Donc si je joue donc je vais avoir un cœur qui va ressembler à ça. Ok, plutôt pas mal. On va comme d'habitude, hein, configurer le pitch bend à 12. Ça, il n'y a aucun changement. On va laisser tomber et on va mettre de côté le East-West, puisqu'en fait, tout va être réalisé dans Cubase. Donc ici, dans Cubase, vous avez les Note Expression. Note Expression, en fait, ça va vous permettre d'indiquer à Cubase que en entrée, vous avez un type de Control Change qui va agir sur un autre Control Change. En fait, ça va transformer votre Control Change d'origine vers un nouveau control change. Je m'explique. Votre Roli est sensible à 5 dimensions, donc la pression, le slide, etc. Bon, là, on va travailler aujourd'hui sur la pression. Donc la question de l'internaute, c'était comment faire pour faire comme dans ta précédente vidéo, c'est-à-dire rendre plus brillant un son, mais non pas en slidant, mais en appuyant un peu plus fort sur la touche. Donc avec ce qu'on appelle l'aftertouch. Donc l'idée, ça va être de transformer l'aftertouch et de faire en sorte que ça agisse comme si c'était un signal de modulation. Donc, rappelez-vous, je vous fais juste un petit rappel sur le dashboard. Pourquoi j'étais en slide CC 1 ici? Parce qu'en fait, j'indiquais que le fait de slider allait activer le control change 1 et donc la modulation. Et donc ici, donc je remets à 2, puisqu'on ne va pas s'en servir. Et en fait, je vais le faire ici. Donc je vais appuyer sur une touche. Et là, je vais appuyer un peu plus fort. Et en fait, la note va se transformer en quelque chose de plus brillant et plus puissant. Alors là, je n'ai pas du tout slidé, en fait. J'ai appuyé plus fort, donc j'ai activé l'aftertouch. Et en activant l'aftertouch qui est ici, il va transformer cet événement d'aftertouch en modulation. Et en fait, c'est comme si on slidait, ou voilà, comme si on activait la monnaie de modulation sur le synthé. C'est exactement la même chose. Donc, du coup, je vais vous faire une petite démo. Alors, je ne me filme pas en train de jouer, hein, je ferai d'autres vidéos où je me filmerai.
L'idée, voilà, c'est de vous indiquer très simplement hein, dans Cubase. Je suis persuadé que dans d'autres logiciels, vous allez avoir exactement la même fonctionnalité. Il suffit de transformer un signal MIDI entrant en un signal MIDI de votre choix et le tour sera joué. Voilà, donc on va même enregistrer pour vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Donc là, j'ai appuyé systématiquement sur l'aftertouch pour toutes les notes. Donc j'ai activé voilà, de façon globale. Maintenant, je vais le faire un peu note à note. Donc là, je maintiens un sol, voilà, pas très puissant. Et puis je vais faire un ré. Et là, je vais appuyer plus fort sur le ré. Vous voyez, le sol derrière, il continue. Il bronche pas, mais le ré est beaucoup plus fort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc cette vidéo aurait même pu durer 30 secondes. Voilà, vous allez dans Note Expression, ici vous sélectionnez, donc vous allez cliquer ici sur Modulation, ici vous allez sélectionner Aftertouch, et voilà, c'est tout. N'oubliez pas de paramétrer ici à quelconque, donc c'est-à-dire qu'ici votre Roli va jouer sur l'ensemble des canaux MIDI, donc c'est l'équivalent du protocole MPE finalement. Et bien entendu, comme je le disais en début de vidéo, n'oubliez pas de configurer ici le mode MPE. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'essaierai de répondre en vidéo le plus rapidement possible et bien entendu de traduire pour nos amis anglais, américains et anglophones de façon générale. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao.